Oui, c'est sûr. Je pense que soit on retiendra que la victoire. Ça a été difficile. Je pense qu'on a pris un peu trop à la légère et après on s'est rendu vraiment difficile. On n'a pas respecté la RSR ni le ballon, donc à la sortie, contre une équipe qu'a fait, c'est difficile. Oui, c'est vrai, en plus on a fait quasiment toute la deuxième mi-temps à 12. Donc c'est vrai que c'était encore plus difficile, mais bon, après, voilà, c'est un match de club, c'est comme ça, et la compétition est différente, tout est sur un match, donc voilà, on retiendra la victoire, c'est jamais. Que l'essentiel, c'était de passer le prochain tour. Ça, c'est l'essentiel. Après, en termes de performance, il y a eu pas mal de raccourcis de prix. Voilà, certains auront l'opportunité de montrer que c'était une erreur aujourd'hui. D'autres en auront pas, mais voilà, l'essentiel est acquis, on dira. On a vu les Rovers vous performer très facilement au début du tenu, notamment en première mi-temps. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu n'as pas l'attitude pour faire le job en rugby à 13, eh bien, il se passe ce qu'on a vu cet après-midi. C'est tout simplement. Tu ne me contrediras pas si on avait l'attitude contre Sainte-Hélène. Quand tu es capable de prendre Mazoé, que tu es capable de prendre Wamsley, que tu es capable de prendre Robbie, et qu'avec tout le respect que j'ai pour Featherstone, qui s'est vendu chèrement la peau, eh bien, il passe autant. Au niveau du ras du tenu, c'est l'attitude tout simplement. Donc ça c'est un problème et voilà, on l'a partagé dans les vestiaires. Des satisfactions quand même au niveau individuel. Tony, j'ai trouvé Tony intéressant avec le ballon. Un peu moins dans sa technique de plaquage. Tony a été intéressant. Ouais. Ouais. Non, il est pétri de qualité avec le ballon. J'aurais, ce que j'ai dit à la mi-temps, préféré que sa technique de plaquage soit meilleure. Mais c'est à l'image des 16 garçons ce soir. Ouais. Après, dès que vous avez voulu sur le côté droit, vous avez débordé. Dès qu'on a voulu un peu écarter, aérer le jeu de deux passes. C'est ça. On a toujours une philosophie de jeu qui est basée sur la vision et Featherstone était très compressé et je comprends pas qu'à un moment donné chaque fois qu'on les fait on a posé des problèmes et qu'on se soit cantonné à pas le faire plus souvent. T'as blessé aujourd'hui? Jeff Lima, un problème aux côtes. La faute de Jeff Lima? Ouais. Bon, le rouge est persévère, mais il y a faute, quoi. Il y a faute, soit tu prends le... Tu as deux exemples, tu as l'exemple de Rémi Cassis sur Travis Burns le week-end dernier. Si tu y vas, tu vas pour le plaquer. C'est-à-dire que tu le prends et tu le mets au sol. Si tu es près de lui, si tu es trop loin, ça sera un plaquage à retardement. Je pense que Jeff n'était pas trop loin de lui, mais il faut avoir la technique de plaquage pour le mettre au sol. Donc il y a faute, donc s'il y a contact à la tête, c'est carton rouge de suite. Et voilà, c'est une faute des lois aussi. Sans commission. Ouais. Ouais. On est habitué, après tu peux reparler des performances de Robert X sur les. Voilà. Bon. Il y a eu pire. C'est un avertissement sans frais. Ouais, on a cette chance là, ouais. On a cette chance là où ce regain d'énergie qui nous a permis de savoir que le match de rugby à 13 se joue d'abord avec l'attitude et après avec les qualités. Vous avez permis d'aller chercher ce dernier essai parce que bon, t'étais mal barré. Ouais. Vous prenez les deux essais. Ouais. T'es mal barré. C'est incompréhensible par rapport à la qualité des 17 qui étaient sur le terrain. Ouais. Des 16, puisque Damien n'a pas joué. Ah, il n'est pas entré. Non. Incompréhensible. D'accord. Un mot sur OK. Sur le prochain. Ouais, ce sera un voyage. C'est ça. Ouais, 25. Ah, d'accord. 25, 23, 25. Juin. Ouais. Okay. Voyage. Ouais, c'est un voyage. C'est toujours embêtant de voyager. Après, si tu regardes les équipes qui restaient,
Et ça aurait pu être pire en allant à Warrington, à Leeds ou à Saint-Hélène. Ça aurait pu être pire dans le sens où plus compliqué. Après, UKR, voilà, c'est Widnes, c'est des équipes compliquées. Des équipes compliquées maintenant. Je sais que si on joue à notre niveau, on peut battre n'importe quelle équipe. Mais il faut, pour ça, il faut être dans sa tête, prêt à le faire.